La Pemex est la société des pétroles mexicains et à elle seule, elle produit 90% de l'énergie du pays. La Pemex est une institution pour cette raison, mais aussi parce qu'elle fut la première société nationalisée en 1938 par Lázaro Cárdenas, un président qui a donné sa première silhouette économique au Mexique. En 1938, les Américains réagissent devant la nationalisation du pétrole mexicain. Ils boycottent le pétrole. Le Mexique vend alors son pétrole à l'Allemagne nazie. Les États-Unis s'inclinent. Cet épisode, aucun économiste mexicain ne l'a oublié. Aujourd'hui encore, les Mexicains sont conscients de ce qui les lie à leurs voisins du Nord. Mais aucun d'entre eux ne veut que se reproduise le conflit de 1938, point de départ d'un État socialiste de cœur, capitaliste dans la démarche. Sur la côte atlantique, Costa Rica, la fosse riche, produit 35% du pétrole national. 11 000 employés pour une ville de 130 000 habitants, cela veut dire au Mexique que le pétrole fait vivre la moitié de cette ville construite sur une nappe, la plus grande, car c'est ici que se trouve la plus grande réserve qui pourrait permettre au Mexique de fabriquer son énergie pendant 25 ans. Tenemos reservas aproximadamente para 20 años y Costa Rica igualmente. Nous produisons 150 000 barils par jour, soit 20 millions de litres. Nous alimentons l'ensemble du pays et Costa Rica est le principal producteur d'hydrocarbures, dit l'ingénieur Santana. Les Américains qui avaient menacé de noyer le Mexique dans son pétrole constatent donc aujourd'hui que leur voisin, au contraire, vit de ce pétrole. Mais l'actuel président Luis Echeverria veut aller encore plus loin. Non pas en nationalisant, mais en assurant à son pays un développement par l'intérieur. La distance avec les États-Unis sera gardée, à condition que le Mexique réalise par lui-même, avec l'aide de capitaux étrangers, certes, des infrastructures comme celle de la ville de Lázaro Cárdenas sur la rive du Pacifique. Ici est en train de sortir du sol la plus grande usine sidérurgique de l'Amérique latine. Au bout de l'estuaire du Rio Balderas, le Mexique espère découvrir dans 5 ans la première cité industrielle du pays. Un plan d'eau, de verdure et de béton de 25 km de côté. Ici, les capitaux sont à 51% mexicains, donc majoritaires, et les capitaux américains y sont presque nuls. Mais non loin des grands immeubles de Mexico, ces marques de force et d'indépendance ne sont pas toujours accueillies avec enthousiasme. Croissance industrielle, d'accord, mais le Mexique, qui aime à parler de sa technologie, doit aussi savoir qui il est réellement, dit-on. Et les intellectuels en particulier ne manquent pas de rappeler que les problèmes les plus urgents ne sont pas ceux des rapports avec les États-Unis. C'est pratiquement impossible de chercher, de trouver une indépendance absolue en termes sur l'économie, la politique d'un pays, s'il n'y a vraiment un changement de ces structures. Ces étudiants de la contestation préfèrent donc constater que le Mexique a doublé sa population en 20 ans, 50 millions en ce moment, et que l'accroissement démographique est de 3,5% par an, c'est-à-dire un des plus forts du monde. L'État mexicain, lui, constate que son rythme d'expansion est le sixième du monde, après le Brésil, le Japon, les États-Unis, le Canada et la France. Le voyage de Luis Echeverria autour du monde, dit-on à Mexico, va lui permettre de nouer des relations nouvelles qui sont un peu la preuve que la fameuse dépendance à l'égard du grand voisin du Nord pourrait s'assouplir. Alors, ce qui arrive, c'est que le 2/3 de notre commerce se fait avec les États-Unis. Alors, nous ne sommes pas dans une époque de nationalisation, d'expropriation des ressources naturelles du pays. Cela, nous l'avons fait avec la Révolution mexicaine. Nous sommes tout à fait dans une autre époque. C'est l'époque d'avoir un commerce extérieur diversifié et de pouvoir choisir les sources des biens financiers,
des biens technologiques et des biens de capital. Un détail pourtant n'a échappé à personne la semaine dernière. Henry Kissinger est venu passer 2 jours à Acapulco. À Acapulco, un Américain ne peut guère ressentir le mal du pays. Le conseiller de Richard Nixon à Acapulco a rencontré le ministre des Affaires étrangères mexicain. Cela se passait la veille du grand voyage de M. Echeverria. Rencontre logique entre voisins, mais en France, en URSS ou en Chine, M. Echeverria saura que l'œil américain ne le quittera pas. Solo jabón Colgate le da piel tocable porque es el único que contiene la anolina que penetra y deja la piel suave, tocable.